Comme d'habitude pour moi. Anti-rides. Eh ben c'est parti. Merci. Chérie. Écoute, tu pourrais pas au moins faire semblant d'apprécier ses efforts. Quels efforts? Je sais pas ce que je sais. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Et ça se finit en 1918, mais en 1918 par le traité de Versailles à Verdun. J'ai hâte de voir comment vous vous débrouillez sans lui. Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas? Vous croyez vraiment que je manquerai un petit séjour dans l'antre du péché? Le temple de la débauche et des danseuses vêtues de plumes et de strass. Vous savez qu'on va enquêter sur un meurtre, Castle? Mes amis, s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que ce n'est pas un meurtre qui doit nous empêcher de nous amuser. Et au fait, je m'assois devant... Quel est le taux de fécondité en France en 2002? Le taux de fécondité en France en 2002 est de 2, parce que enfin, l'indice est de 2, car on doit être 2 pour faire un enfant, mais on peut être 3 ou 4, mais bon, c'est préférable. Et en 2003? 3. Vous êtes sûr? Oui. Parfait. D'accord. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Pourquoi? C'est comme ça. Alors il est idiot. Non, seulement... C'est compliqué. Kate, il n'y a rien de compliqué. Quand on a la chance de tomber sur une femme comme vous, on sait ce qu'il faut faire. Non. Alors, pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de L'étranger de Camus, et plus particulièrement de la difficulté d'exprimer ses sentiments à travers cette œuvre? Les hommes n'arrivent pas forcément, les êtres vivants n'arrivent pas forcément à expliquer leurs sentiments. Si les chiens, en remuant la queue, on voit leurs sentiments. Enfin, un peu comme les hommes, en fait. On peut voir ça comme ça. Merci. Je vous avais dit que je chantais. C'est moi qui lui ai appris. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
He said, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. But it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. Ah! Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for another day. Quelle est la capitale de Taïwan? Made in Taïwan. Voilà. Oui, nous l'avons encore jamais fait, celle-là. 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches, la place des grands hommes. De la viande, Cassel, il faut vous y faire. Ce que je peux vous dire, c'est que ses dents correspondent aux morsures et que le sang sur ses vêtements provient de la victime. Kyle Jennings est votre assassin. La question est, qui est le sien? N'est-ce pas toujours ça la question? Quoi encore, Cassel? En fait, je me demandais, avant que cet homme meure, il se comportait exactement comme un zombie. Y a-t-il un moyen médical de déterminer si finalement c'en était bien un? Oh. Mais pourquoi est-il dans la morgue? Les zombies n'existent pas, Castle. C'est un homme. Il était en vie, maintenant c'est un homme mort. Et c'est tout, fin de l'histoire. Ah ah mort vivant. Ah ah Castle, appelez les renforts. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre, quoi. C'est libre. Bah voilà, libre-échange. Voilà. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Je suis Rick Castle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouve beau gosse. Chaque écrivain a besoin d'inspiration. J'ai trouvé la mienne. Lieutenant Kate Beckett. Beckett, Nikia. Son personnage fondé sur vous. Que s'est-il passé lors du dernier référendum européen? Ils ont voté non contre la prostitution européenne, en fait. Contre la prostitution européenne? Ouais. Qui a voté non? Tout le monde, sauf les Hollandais, parce que pour eux, ils aimaient bien la prostitution. Ah ouais? Et vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis ni pour ni contre, en fait. Si j'ai pas l'âge de voter. Comment ça va? Comme ça. De faire ça bien, hein? On sera parfait. Parlez-moi de l'œuvre de Rimbaud. Ben, Rimbaud, il a fait plein de trucs. Comme quoi? Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, les autres.